soyez bénis avec un retard de 4 minutes, nous démarrons ce direct. Soyez bénis, soyez davantage fortifiés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal. Nous sommes aujourd'hui à un direct très important parce qu'il s'agit d'un thème que nous avons commencé à décortiquer par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de développer un thème par la grâce de Dieu. La Bible déclare que parfois de connaissance on peut périr. Vous savez qu'à partir de la connaissance vient la grandeur. C'est à partir de la connaissance que vient les grandes choses. C'est à partir de la connaissance que vient la puissance de la grandeur, la puissance de la révélation. Et c'est à partir de la révélation qui vient de beaucoup de choses. Alors, je vais juste vous annoncer, pour ceux qui ne savent pas, que nous avons une tournée africaine. Voilà, dans 45 pays africains. Voilà, nous démarrons bientôt, comme si on est juste déconfiné. Voilà, déconfiné, bientôt très déconfiné. Nous allons démarrer dans 45 pays africains. Nous remercions le Seigneur pour tous les pays qui mettent à notre disposition tout. On a le Ghana, on a le Burkina, on a l'Afrique du Sud, on a le Kenya en Afrique, l'Afrique centrale. Oui, les autorités centrafricaines se sont mêlées dans cette histoire. C'est trop puissant. Les Camerounais se sont mêlés, de Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, et des Camerounais et tout ça. Alors, donc, nous sommes en train de travailler. C'est pour ça que par moment, quand vous m'appelez, je n'ai pas trop le temps. Et tout ça, nous sommes en train de travailler terriblement par rapport à cette grande tournée. Et l'apôtre sera, n'est-ce pas, devant l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique s'exprime. Ils ont quand même un leader que le prophète Crasso. J'aurai l'occasion de m'exprimer par la grâce de Dieu pour présenter mon projet. Et le projet, le problème, c'est quoi? On a un projet. Et quand on partage ce projet-là à les différents états, quand les gens voient les différents projets, quand ils essaient de regarder les projets qu'on a pour l'Afrique, mais ils sont vraiment sidérés, ils sont vraiment touchés, ils sont vraiment émus de voir, c'est vraiment ces gens de projets, voilà. Alors, donc, c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Donc, le programme débat très bientôt. On attend justement l'ouverture, nous attendons vraiment l'ouverture, parce que le réveil va commencer par l'Afrique. Le réveil des derniers temps, c'est ce que vous ne savez pas. Le réveil des derniers temps commencera par l'Afrique, par la grâce de Dieu. Et Dieu nous a mis à cœur de toucher l'Afrique par une chance d'évangélisation, afin de mobiliser les gens à donner leur vie à Jésus et de changer de comportement. Parce que Jésus-Christ, c'est aussi le salut de l'humanité et c'est aussi le bien-être. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas seulement que l'adoration et tout ça. C'est aussi le bien-être et changer de comportement et tout ça. Et nous avons aussi une vision avec l'ONG Prophète Joël Crasso, Espoir de vie. Nous avons une ONG Prophète Joël Crasso, Espoir de vie. Voilà, donc dans le monde entier, nous avons aussi en Afrique, nous avons aussi un travail à faire avec les pays africains de miser sur l'éducation. Parce que pour nous, nous savons aussi que le problème africain, c'est éducationnel. Vous savez, qu'on veut ou pas, c'est éducationnel. Il faut que impérativement l'Afrique passe par l'éducation. Donc, nous sommes en train de travailler pour qu'aujourd'hui, dans les hameaux, dans les villages les plus. Bon, dans les hameaux, dans les villages, tout ça, il faut forcément impérativement les écoles établies en fait de pouvoir apporter l'éducation aux plus petits, aux plus âgés, aux moins âgés, afin que l'Afrique puisse sortir du sous-développement. Parce que le manque d'éducation, c'est aussi un handicap au niveau de l'Afrique. D'accord? Nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Non, les pays africains seront très bien servis par l'évangélisation. Regardez seulement, nous allons aller poser des actions prophétiques, les actes prophétiques dans le pays, nous allons évangéliser, nous allons porter par la grâce de Dieu la vie, n'est-ce pas, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, et personne ne pourra s'opposer à cette action du Saint-Esprit, parce qu'elle vient de Dieu, ce qui vient de Dieu, personne, aucune personne humaine, ne peut se poser à la volonté de Dieu. Elle est déjà acquise. C'est déjà un acquis. Voilà, donc nous réjouissons déjà pour rapport à ça. Alors, est-ce que ça va très bien chez vous? Si oui, écrivez-moi, amenez-moi les cœurs, que ça va, amenez-moi un maximum de cœurs pour que je continue mon direct. Ça va chez vous? Pour commencer l'enseignement? Est-ce qu'on m'entend?
Ouais, maximum de cœur, maximum de cœur. Oui, papa, oui. Maximum de cœur. Non, moi, je veux des cœurs. Apporte-moi des cœurs. Amenez-moi des cœurs. Voilà, amen, amen, amen. Amenez-moi des cœurs. Voilà, oui, papa, oui. Ouais, ça fait du bien, oui, papa. Oui, je veux comprendre que ça va. Voilà, merci. Amenez-moi assez de cœurs. Voilà, amenez-moi assez de cœurs. Voilà, merci beaucoup. Alors, super. Alors, nous allons, avant de commencer l'enseignement sur la, n'est-ce pas, les autels. Alors, je vais aborder un sujet très important sur la prière. Voilà. Souvent, nous prions, on a l'impression que rien ne nous arrive. Mais je vous dis, quand vous priez, changez de manière de voir les choses. Voilà. Quand vous priez, changez de méthode. Parce que la prière, il ne se fait pas comment de prier. Prier, ça veut dire demander. Parce qu'à un moment donné, il faut commencer maintenant à croire à ce que nous avons demandé. Alors, nous allons dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15. Voilà, 1 Jean, le chapitre. Voilà, prenez pour moi, avec moi, prenez un calepin. Vous savez, moi, c'est tellement d'enseignements. Hein. J'écris, voilà, j'écris, j'ai tellement de choses. Pour moi, c'est les enseignements sont morts. Vous voyez, c'est les enseignements, j'écris seulement. J'écris seulement. Moi, j'écris seulement. Prenez 1 Jean, 1 Jean le chapitre 5. Prenez 1 Jean le chapitre 5, le verset 14, jusqu'au verset 15. Un Jean le chapitre 5. 1 Jean le chapitre 5. 1 Jean du chapitre 5, verset 14 à 15. Est-ce que ça va? On commence, on a démarré, hein? On a démarré l'école, hein? L'école d'enseignement. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15. 1 Jean du chapitre 5, le verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose si nous selon demandons, sa volonté, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons. Très bien. Alors, la volonté de Dieu que tu te maries, la volonté de Dieu que tu aies une voiture, la volonté de Dieu que tu aies une maison, la volonté de Dieu que tu sois stable, la volonté de Dieu, c'est beaucoup de choses. Si vous demandez selon la volonté de Dieu, il nous écoute. On dit ça? Alors. Et si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, il dit, nous savons que nous possédons la chose que nous l'avons demandée. Chérie, tu réponds encore le verset 14 à 15. Il dit, nous possédons la chose que nous l'avons demandée. Je vais vous expliquer un mystère dans la prière. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de cette assurance. On est rassuré. On est convaincu que si nous demandons quelque chose, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alors si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà ce que nous l'avons demandé. Ça veut dire que s'il nous écoute, déjà nous sommes en possession du moins, ce que nous avons demandé. Quel que soit. Oui. Quel que soit. Voilà, ça c'est quelque chose, un élément très important. Il ne faut pas que les gens viennent vous distraire. Allons-y. Je reprends. Allons-y. Je reprends. Oui, le verset. Allons-y, le verset 15. Alors, le verset 15. Le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute. Alors, on dit, si nous savons qu'il nous écoute. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alors, si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà ça. C'est-à-dire que si tu sais que Dieu t'écoute, c'est-à-dire que tu possèdes déjà ce que tu as demandé. Tu le possèdes déjà. Le verset est là. Je vais rentrer dans les mystères, vous allez comprendre. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 5. Le chapitre 5. Le verset 14. C'est-à-dire que tu as déjà ça. On y va, chérie. Je reprends. Oui, allons-y. Alors, nous avons auprès de lui. Nous avons auprès de lui. Cette assurance que cette si assurance, nous demandons quelque chose selon sa volonté. Nous demandons selon sa volonté. Il nous écoute. Il nous écoute.
Le verset 15. Très bien. Avant de savoir, avant d'aborder le verset 15 de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14. Voilà, on va aborder ça, le verset 15. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons qu'il nous possédons. Mais avant de savoir, avant de posséder, pour que Dieu t'écoute, pour de savoir que tu as fait cet homme selon la volonté de Dieu. Et si Dieu t'a écouté, ça veut dire que déjà tu possèdes déjà. Tu l'as déjà. Avant que tu le voies déjà physiquement, visiblement, c'est que c'est une chose. Je préfère te dire ça. Tu possèdes déjà ça. On y va. Alors, et si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous l'avons demandé. Quelle que soit. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu as demandé, quel que soit, si tu sais que tu écoutes, ce que tu as demandé, tu possèdes ça. Frère, c'est conclu et c'est propre. Il faut changer ta méthode. Tu as trop prié. Tu as demandé un mariage. Tu as demandé un meilleur mari. Tu as demandé une meilleure femme. Tu as demandé un meilleur emploi. Tu as demandé, si tu veux, meilleur. Ça dépend de ce que tu as demandé. Ok, ça dépend de toi. D'accord. Mais tu as demandé. La Bible dit que tout ce que vous demandez selon sa volonté, croyez que Dieu vous écoute. Et encore, il faut croire que vous possédez déjà la chose. Pourquoi? C'est-à-dire, quand en même temps il vous écoute, vous devez croire que vous possédez déjà. Est-ce qu'on me comprend un peu ce que je dis? Frère, est-ce que tu me comprends, sœur, ma fille, mon fils, est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est biblique ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de t'envoyer dans l'hérésie pour balader ton esprit. Je ne suis pas en train de partager ton esprit à ça ailleurs, ça et là. Non, je ne suis pas en train de faire croire aux choses qui n'existent pas bibliquement parlant. Non, je t'envoie dans les fondements bibliques. La Bible dit, si tu as demandé, il faut dire que déjà quand tu demandes selon sa volonté, il t'écoute. Il est prêt à t'écouter. Quand il t'écoute déjà, ça veut dire que ce qu'il t'a demandé, tu crois déjà que tu l'as reçu. Tu l'as déjà. Maintenant, tu verras cela. Tu vois, chérie, réponds. Pourquoi? J'explique un peu parce que les gens... Alors, 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Oui, 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Alors, une assurance, ça dit qu'on est paisible, on est assuré. Ça dit que quand quelqu'un est assuré, il est paisible. Quand il y a un problème, il y a quelque chose qui vient, il y a un droit qui vient revendiquer pour dire non, ça va. Lui, il a déjà demandé, non, il est assuré. Voilà, et nous avons près de lui une assurance. On est rassuré que c'est bon. Voilà, tout ce qu'ils nous avons demandé, c'est bon là. Allons-y. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Que nous demandons selon sa volonté. Mais oui. La volonté de Dieu, que c'est que tu maries, que tu as des enfants, des meilleurs enfants, que tu as un bon emploi. Et voilà, que selon sa volonté, oui. Il nous écoute. Et nous écoute. Le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute. Nous savons que. Nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Très bien, ça dit qu'il faut déjà posséder. Si tu sais que Dieu écoute ce que tu as demandé, possède déjà ce que tu lui as demandé. C'est pour ça que matin, quand tu te réveilles, parle. Tu lui as demandé, Seigneur, tu sais, il est temps que j'ai une voiture, il est temps que j'ai une maison, il est temps que mes enfants soient... Mes enfants, je ne les comprends pas. Ils sont les mauvais enfants. Ils sont les enfants les plus bizarres. Et tout ça, ma femme, elle est bizarre. Elle ne m'écoute pas. J'ai une mauvaise vie. Je ne comprends pas ma vie. La volonté de Dieu que tu aies une meilleure vie. La volonté de Dieu que tu aies la meilleure femme. La volonté de Dieu que tu aies un meilleur mari. Tout ça. Donc, la Bible dit, si tu demandes selon sa volonté, parce que la volonté de Dieu que tu sois un bon mari, que tu aies un bon mari, que tu aies une meilleure femme, tout ça, il faut déjà croire que tu possèdes déjà ce que tu as demandé. Pourquoi? Dieu dit, il faut posséder déjà ce que tu as demandé. C'est-à-dire, ce que tu as demandé selon sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Mais il faut d'abord croire que tu possèdes déjà, que tu as déjà ça. Donc, quand tu as quelque chose, tu vas demander quoi? Mon verre est rempli de jus d'orange. Je ne peux pas dire à ma femme, chérie, Madame Crasso, moi je l'appelle Madame Crasso. Je l'appelle Maman Bessora, Maman des bonnes nouvelles, voilà, Maman Crasso, tout ça. Voilà, donc, amène-moi le jus d'orange, tout ça.
Ben, je l'ai déjà. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de tout. J'ai déjà ça. Vous comprenez? Donc, j'ai déjà, tu possèdes déjà ça. Alors, quand tu possèdes, il faut changer ton langage. Alors, mon problème, c'est quoi aujourd'hui? Change de langage. Change de vision. Change de manière. Change de système. Tu l'as déjà. Tout ce que tu as demandé, tu le possèdes déjà. Tu l'as. Peut-être que tu me dis, ah non, papa, je n'ai encore vu. Non, si. Si tu n'as pas encore vu, tu l'as déjà. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si tu demandes quelque chose selon sa volonté, il faut croire que tu déjà possèdes ça. Dieu, il marche en fonction des systèmes de sa parole. Il ne se contredit pas. Il ne peut pas, n'est-ce pas, se contrarier par rapport à sa parole. Ce qu'il a dit, il veste sa parole pour la s'accomplir et l'exécuter. Il t'a dit, il accomplit ce qu'il t'a dit, ok? Donc, regardez ce qu'il va faire. Il va d'abord, il dit dans Romains le chapitre 4, verset 17. Romains le chapitre 4, verset 17. Nous allons voir le Romains le chapitre 4. Prenez, écrivez Romains chapitre. Le livre de Romains, c'est après l'acte des apôtres. Le livre de Romains le chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Romains le chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi, oui. Père d'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Oui. Dieu qui donne la vie aux morts. Oui. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme si elles étaient. Ça veut dire, si ça n'existait pas, tu te dis que ça existe. Donc pourquoi toi, tu ne dis pas que j'ai une voiture? Chérie, reprends le verset. Peut-être que les gens n'ont pas compris. Ok. N'ont pas compris le verset. N'ont pas encore compris. Romains chapitre 4, le verset 17. Mais n'ont pas compris la révélation de Dieu. Romains chapitre 4, le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Oui, il a dit à Abraham, je t'ai établi comme une grande. Parce qu'Abraham se prégnait, parce qu'il avait un nom comme père de multitude de nations. Il dit, mais je t'ai établi parce que j'ai changé ton nom, parce que tu l'es déjà. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Oui. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, le langage de Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça dit que tu n'as pas le verre, mais Dieu dit que tu as le verre. Plein de jus. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Va relire ça. Faut relire ta parole. C'est ça le problème. Va lire la parole de Dieu. Tu vas comprendre la révélation de ce passage. Romains 4, verset 17. Dieu appelle les choses comme si, qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, par moment, il faut dire, j'ai le meilleur mari. J'ai la meilleure femme. J'ai construit des immeubles. J'ai des guettes privées. Voilà, j'ai la victoire. Il faut énumérer 10, parce que le numéro 10, c'est vraiment un chiffre très important. C'est un chiffre qui accomplit beaucoup de choses. Tac, 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 10. Matin, quand vous vous réveillez, on dit Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi tu ne changes pas ton langage? Pourquoi tu ne changes pas ton langage? Tu es dans les pleurs. Tu te lèves matin, tu pleures. Et puis tu es anxieux. Or, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Tout ce que tu vas penser, c'est ce qui va t'arriver. Si tu penses négatif, non. Et puis, il y a des gens même qui cherchent même à savoir, qui cherchent même à regarder dans les téléphones, dans les portables pour s'inquiéter. Voilà, qui s'inquiète, qui se rentre là et tout ça. Non, tout ce que vous allez penser négativement, c'est ce qui va arriver. Tout ce que vous pensez positivement, c'est ce qui va arriver. Or, la Bible dit dans Romains 4, verset 17, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, il faut penser comme Dieu. Alors, si vous ne composez pas avec la divinité du Créateur du ciel et de la terre, parce que lui fera ce qu'il veut. Or, Dieu, elle accomplit sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses maintenant croire que ce que tu as demandé, il a déjà approuvé. Je suis guéri. Ah bon? Mais on met le truc, on a l'impression que tu es malade. Non, je suis guéri. Quand vous déclarez ça, le corps humain s'adapte à cette déclaration. Le système s'adapte à tout ça. Vous allez voir que tout va commencer à s'adapter au système. Et vous allez commencer à comprendre que la Bible, vous avez un langage. Vous ne montez pas. Vous déclarez une phrase ou un, si tu veux, une parole prophétique.
n'est-ce pas biblique, selon Romains 4, verset 17, ou bien selon la parole de Dieu qui dit, n'est-ce pas, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, elle se démontre. Donc, vous la démontrez par l'affirmatif. Il faut être positif dans ce que vous dites. Vous avez l'habitude de dire, non, il ne faut pas être négatif. Quand vous avez peur, ce que vous craignez, ce qui va vous arriver. Vous comprenez? N'est-ce pas? Je vais vous rappeler ça tout à l'heure. Ce qu'un homme craint, voilà, ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver, n'est-ce pas? Nous allons essayer de voir dans Proverbe 18, le verset 16. Proverbe 18, le verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Voilà. Alors, nous allons voir un peu beaucoup de choses, d'accord? On essaie de parler d'accès, n'est-ce pas? On essaie de parler d'accès. Les gens aujourd'hui, ils veulent vraiment s'acquérir beaucoup de choses. Mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'on est parti d'une base. La Bible dit que tout ce que tu demandes, selon ta volonté de Dieu, tu l'as déjà. Et tu verras cela s'accomplir. Encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient. Je veux revenir à la base de certaines choses. Regardez l'exemple d'Abraham. Dans Genèse, le chapitre 17, verset 1 à 8. Comment Dieu va changer le nom d'Abraham? Abraham avait un nom. Dieu veut changer ton identité. Dieu change son nom. Il change son nom. Il change son nom. Il change son nom. Genèse. Chapitre 17, le verset 1 à 8. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi ton nom change? Pour dire Abraham, Dieu n'avait même pas encore fait un enfant, et on dit que ton nom est multitude de pères, de multitude d'enfants. Vous comprenez? Car je te rends père d'une multitude de nations. D'accord. Le verset 6. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle et vertu de laquelle... Alors, donc vous comprenez déjà que le passage de Romains, le chapitre 4, verset 17, Dieu comprend déjà qu'il faut changer le nom de Abraham. Vous comprenez? Avant qu'il ait même un enfant, Dieu change son nom. Et puis encore, dans l'histoire, Dieu change le nom de Sarai à Sarah, une mère de multitude de nations. David dit que déjà, si vous voulez commencer, vous avez tellement prié, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans, 20 ans. D'autres, mais 20 ans, 15 ans, 30 ans, des années qui prient pour le même sujet, qui ne voient même pas l'exaucement. Tellement simple. Il faut commencer à vivre ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Romains 4, la Bible nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vite ce que tu veux. Sors tous les matins et dis, Seigneur, j'ai le meilleur mari. J'ai vu le meilleur mariage. J'ai marié le meilleur mari. On va te trouver stupide. Quelqu'un de bizarre, quelqu'un de compliqué, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Or, la Bible dit que la folie, la foi, c'est une folie aux yeux du monde. La foi, selon Dieu, est une folie aux yeux du monde. Quand tu vas commencer à faire des déclarations de foi, mais oui, il faut qu'on te trouve fou, folle. Parce que les choses de Dieu, c'est une folie aux yeux du monde. Il faut commencer à faire des déclarations. Pourquoi? Parce que la parole est une puissance. La parole, ce qui te déclare, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Donc, le problème, ce n'est pas question de prier. Tu gères. Si c'est 40 jours que tu l'as déjà fait, 21 jours, 14 jours, 7 jours, 3 jours, 5, tu l'as déjà fait. Pourquoi? Tu l'as déjà fait.
avec foi, mais tu ne vis pas. Or, la Bible dit que tout ce qui est demandé selon sa foi, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous verrez cela s'accomplir. Donc, fais une déclaration, vis ça. Vous savez, ça va t'amener dans une visualisation de ton futur. Si toi-même, tu ne crois pas à ton lendemain, il y a ce que Dieu fait, il y a ce qu'il fait avec toi. Si tu ne composes pas avec Dieu le divin, rien ne pourra se passer. L'erreur des humains, ils pensent que Dieu fait les choses sans eux. Non, Dieu compose avec toi. Dieu ne peut rien faire sans toi. Dieu va faire en symbiose avec toi, avec ta vision, qu'est-ce que tu as de toi-même. Si tu n'as pas une vision, si stop, il te donne une vision, il va t'amener à épouser cette vision. Alors, ça peut même peut-être retarder le fait même que toi-même, tu n'es pas en symbiose avec ta destinée. Donc, c'est déjà un problème. Voilà, tout ça. Donc, déjà un problème. Bien aimé, le problème que nous avons, nous demandons, on a déjà l'acquis, on a déjà l'aval de Dieu dans tout ce que nous avons demandé, mais on a le problème, c'est que on ne vit pas ça. On a l'impression que on n'a pas ça. On a l'impression que on n'est pas en possession. Tout dépend de nous. Le problème, c'est qu'on a en commun une erreur. Vous savez, la divinité de Dieu. Si vous ne composez pas avec Dieu, vous avez un problème. Parce que c'est la connexion la plus puissante qui soit au monde. La connexion la plus divine, c'est Dieu. Hachem. Je vous dis Hachem, parce que c'est le nom de Dieu par l'excellence hébraïque. Hachem. Donc, nous avons la connexion de Dieu Hachem. Par excellence, nous sommes connectés à ce Dieu Hachem. Alors, si nous sommes connectés à ce Dieu, nous avons tout ce qui vient du ciel, qui ont un résultat positif vis-à-vis de nous, les humains. Encore, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut vivre ce que tu as demandé. Il a dit dans Romains, qu'on appelle dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5, tout ce que vous demandez selon sa volonté, il vous écoute. Alors, si vous savez qu'il vous écoute, croyez que vous l'avez réussi, vous verrez cela s'accomplir. Ça veut dire quoi? Il faut vivre ton existement. Vive ton existement. Pourquoi tu demandes toujours? Tu dois toujours revenir à temps de demander. Pourquoi tu dois toujours venir en train de demander? Toujours tu demandes non. Or, quand vous pensez à quelque chose, que ce soit négatif, c'est ce qui arrive. Si vous pensez à négatif, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de mariage, tout ça, j'ai craint que la police m'attrape, la police va t'attraper. J'ai craint que je sois devant un procès, tu seras devant un procès. J'ai craint qu'on m'amène en prison, on t'amènera en prison. J'ai craint que j'ai des dettes, tu auras des dettes. J'ai craint que mes enfants, qu'on me trimballe devant quelque chose. Tout ce que vous craignez, c'est ce qui va arriver. Quand vous craignez ça, c'est ce qui va arriver. Parce que l'homme est né qu'énergie. Vous attirez vers vous tout ce que vous craignez, tout ce que vous désirez. Parce que quand tu désires, quand tu dis je crains, tu le désires sans le savoir. Le fait de dire que je crains, mais tu désires ça, c'est ce que tu désires, ça va venir. Or, la Bible dit que tout ce que vous demandez selon la foi, chérie, tu réponds 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15, pour amener le peuple de Dieu à comprendre quelque chose de puissant. C'est nous qui sommes à la place de nos défaites. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais il dit nous possédons la chose que nous l'avons demandée. Nous possédons. Est-ce qu'on a compris? Attends, chérie, peut-être que déjà on n'a pas compris. Je reprends. Non, tu réponds, reprends. C'est-à-dire, nous possédons. C'est-à-dire, quand on dit tu possèdes, tu as le verre, tu bois. Alors, 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Ouais. Nous avons auprès de lui cette assurance. On a l'assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Alors, donc c'est lui qui exauce. Donc, si c'est sa volonté, il nous exauce déjà. Il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Mais nous savons dire que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Quel qu'en soit. C'est-à-dire que sa volonté, il t'a déjà exaucé. Tu possèdes. Moi, quelqu'un qui possède, pourquoi il demande après? Maintenant, quelque chose qu'il possède, c'est la gratitude. Il faut commencer à dire merci au Seigneur. Merci parce que j'ai le meilleur mariage, j'ai le meilleur mari, j'ai la meilleure femme,
c'est le meilleur contrat africain. Parce que la Bible nous dit, ce que tu demandes après, selon sa volonté, il faut d'abord croire. Tu avais dit quoi? Avant que tu ne vois d'abord la réalisation physiquement de ton projet, parce que tu as projeté physiquement, que tu vois déjà les choses se concrétiser, tu l'as déjà dans le spirituel. Mais pour que ça se concrétise, il faut d'abord y croire. Il faut déjà avoir ça dans ton cœur et puis croire ces projets et puis voir la réalisation de ça. Ça m'a bien saisi. Ça va? Et vous verrez, cela s'accomplit. Donc Dieu dit à Abraham, il échange le nom d'Abraham. Il change le nom d'Abraham. Il dit Abraham, ton nom ne sera pas Abraham, ton nom Abraham. Il avait d'abord un nom. Vous voyez, chérie, allons-y. On va changer. On va voir le nom. On va dans Genèse. Hein? On va aller dans ton histoire. Je vais dire Christ. Hein? Je travaille ma femme, j'ai une bonne femme. Elle est trop puissante. Ça dit, elle-même là, je travaille. Quand je suis fatigué, elle va dormir, mais elle a fini ça. Mystère. Non, d'abord, on va d'abord voir, avant d'aller là-bas, je vais vous montrer, je vais vous parler des mystères des antennes. C'est-à-dire comment les gens arrivent à avoir accès à vos vies, des antennes. Donc les cadeaux que les gens veulent vous donner là. Faites attention, le mystère des antennes. Proverbe le chapitre 18, verset 16. Proverbe le chapitre 18, verset 16. Avant d'aborder le thème c'est les hôtels. Hein. J'ai arrivé là-bas. Hein. J'ai arrivé sur les hôtels, hein. Papa, tu as une grande bénédiction pour le monde. Oui, ma fille, c'est déjà beaucoup de ce qu'il y a à faire. Qui me combattent, mais ça va aller. Je vais vous montrer la puissance des hôtels. Hein, Proverbe le chapitre 18, le verset 16. Le problème, le mystère des cadeaux. Les cadeaux qu'on vous donne là. Quel est le mystère? C'est le mystère, c'est des choses cachées qui est derrière. Allons-y, chérie. Alors, Proverbe chapitre 18, le verset 16. Les présents d'un homme. Le présent d'un homme. Lui élargissent la voie. Lui élargit. Ça veut dire que ça lui capte la voie. Ça lui élargit la voie. Ça veut dire ça donne accès. Le présent. Quand quelqu'un te fait un présent, ça veut dire qu'il y a un cadeau. Présent, c'est un cadeau. Quand quelqu'un te fait un présent, ça lui élargit. Ça lui capte la voie. Ça lui donne accès. Le jour que quelqu'un vient te faire un cadeau, ça lui donne accès. Toi-même, tu souris. Même si c'est rien. Mais le fait que ça soit un cadeau, tu es content, il n'a qu'à rentrer. Tout le monde sait ça. On dit le monsieur est venu, il est venu donner un cadeau. Toi-même, si tu ne sais même pas quel est le contenu du cadeau, mais tu es déjà content. Le fait que ça soit un cadeau. Alors, c'est vrai. Je reprends. Le présent d'un homme. Le présent d'un homme. Lui élargit la voie. Lui élargit la voie. Et lui donne accès auprès des grands. Lui donne accès auprès des grands. Oui. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Donc ça veut dire que déjà le présent d'un homme, ça donne accès aux grands. Ça veut dire que quoi? Dès que vous donnez un présent à quelqu'un, vous ouvrez à élargir, vous ouvrez une porte. Donc quelqu'un pour t'avoir. Si une personne veut t'avoir, la première des choses qu'elle va faire, c'est de te faire un présent. Elle va te dire non, je t'aime bien, je t'ai fait une fleur. Elle te donne ça, tu souris. Tu vas poser la fleur chez toi à la maison. La fleur que tu vas poser chez toi à la maison, tu vas manger baiser. Vous ne savez pas d'où vient la source. Parce que le monsieur, vous ne savez pas qui il est. La femme qui te donne la fleur. Monsieur, je vous aime bien. Je ne sais pas, mais je ne sais pas comment je fais. Mais je vous aime tellement bien. Je vous donne un cadeau, la fleur, monsieur. Il vous donne une fleur. Je vous ouvre largement la voie. C'est-à-dire, c'est une voie, une boulevard. Le fait que tu acceptes, tu es réceptif à ça. Tu acceptes le cadeau. Donc, tu acceptes tout ce qu'il a dit. Parce qu'il a parlé. Il y a une proclamation sur le cadeau. Il a dit les choses. Moi, tant que je ne sens pas la fleur, je ne dis rien. Moi, non. Moi, si je ne sens pas le cadeau, je ne te mouve pas à toi. Je ne sens pas l'affaire. Je ne me sens pas. Il y a des gens qui disent non. Il y a des gens qui disent même le parfum. Il y a des gens qui disent non.
Tu vois, c'est pas bon de donner un parfum. Mais et faites attention à même les cadeaux que les gens envoient même dans les mariages. Il y a souvent des gens qui envoient des choses, des cadeaux dans les mariages. Ils envoient dans les mariages, on dit non, oh non mon frère, tant, je t'ai beaucoup aimé. Ou bien quelqu'un dit non, je t'ai beaucoup aimé. Tiens le parfum. Moi, l'odeur, ça a la mauvaise réputation. Ça dit quand quelqu'un, toi tu sais que le monsieur n'est pas content de toi et la personne elle est d'accord, elle te donne un parfum. Quand elle te donne un parfum, c'est pour détruire ton image. C'est pour détruire ta vie. Ça dit faites attention aux cadeaux que vous recevez. Je ne vous dis pas que c'est mauvais tout ce qu'on reçoit. Mais soyez convaincus. Il y a des gens, je prends leurs cadeaux. Il y a des gens, je m'assieds avec cadeaux. Oui, parce que faites attention. Parce que tous les cadeaux que vous rentrez dans votre vie sont comme des antennes. Oui, le cadeau, c'était super, tout ça. Vous êtes d'accord, vous marchez, vous chantez, Hosanna, Hosanna. Vous êtes marié bien, vous êtes content. Or, le cadeau que j'ai envoyé dans votre vie là, ça vous détruit déjà. Vous comprenez? Ça, c'est déjà un élément. Le second élément, non, je vous ai, tu sais, depuis un moment, j'étais étudié, on a vécu ensemble. Et puis la personne vous envoie une bague de fiançailles. Depuis quand c'est biblique, une bague de fiançailles? Voilà, vous avez peut-être expliqué ce que vous voulez. Maintenant, le fait même que vous ne connaissez pas le statut spirituel d'une personne qui est déjà dans un problème spirituel, qui vous donne déjà un cadeau de fiançailles, et donc vous ne savez pas qui il est réellement, le statut qu'il a spirituellement, vous portez une alliance, n'est-ce pas, spirituellement, c'est-à-dire que lui, il vous gère, il est patron de votre vie, donc il vous gère spirituellement, ça veut dire qu'il y a un problème, vous comprenez, ça veut dire qu'il y a déjà un problème, vous êtes là, mais vous êtes géré par des entités spirituelles. Faites attention aux cadeaux. Alors, il y a les gens qui sont là, qui offrent des cadeaux. Et les cadeaux, il y a des cadeaux qui sont ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés. Oui, viens, marche, il danse, il donne des cadeaux. Mais les cadeaux, là, quand vous arrivez à la maison, il y a des gens qui font des cadeaux, des mariages de 20 000, 3 000, 30 000, 50 000 euros de mariage, 100 000 euros de mariage, et vous voyez que le mariage, c'est un souci après. Parce que la base, ce n'est pas un fondement solide, c'est un fondement négatif. Voilà, ce n'est pas une question de donner des cadeaux. Alors, les gens lui disent, aïe, ma fille, ma soeur, tu vas en Europe, tu ne manges pas, tout ça, et tiens, va, où est-ce que tu viens on te dit non, ben, il faut qu'on te donne les... Oui, tout ça, tu n'es plus. Non, tu n'es même. Dans notre histoire d'Africain, tout ça, il faut qu'on te donne des cadeaux africains, les pains africains. Qu'est-ce que c'est, pain africain? Ou on te donne des cadeaux. Mais quand vous voyez les cadeaux, moi, je fais très attention qu'on me donne un parfum. Quand on me donne déjà un parfum. Parce que c'est la réputation. Le parfum, faites attention. Souvent, les gens disent. Il y a des gens, il faut faire attention au parfum que vous prenez, parce que c'est la réputation. Ça agit sur votre dignité, ça agit sur votre réputation. Moi, j'ai remarqué, il y a des gens qui viennent dire, donne-moi, je te donne le parfum, tu fais des cadeaux. Il y a des gens, tu es convaincu qu'ils ne t'aiment pas. Toi, tu es convaincu qu'ils ne t'aiment pas. Mais ils veulent te donner un parfum, pourquoi? Comment tu es convaincu que tu... Parce que les gens, les marabouts, vous avez vu que quand les gens partent voir les marabouts, la plupart du temps, ils disent, ils veulent travailler que le parfum. Le parfum, c'est l'odeur, l'odorat, l'odeur. Parce que quand ils vous travaillent, de telle sorte qu'ils attirent les choses vers vous. Ils attirent les choses vers vous. Donc, quand on me dit non, je te donne un parfum. Il dit, ah, mais dans tout cadeau que tu as vu là, c'est le parfum qui me donne. Dans tout ce que tu as vu, c'est le parfum que tu vas me donner. Donc, j'ai un problème à ça. Voilà, j'ai un problème. J'ai un problème à ça. Donc, les gens, ils viennent parce qu'ils parlent. Le jour où il va mettre le parfum, tout ça, le jour où il va en contact avec sa femme. Parce que par moment, quand vous mettez le parfum, quand vous êtes en contact avec votre femme, votre épouse, la femme vous rejette. Elle vous voit comme quelqu'un qui est une mauvaise odeur, quelqu'un qui a une mauvaise réputation, quelqu'un qui n'est pas bon, qui est bizarre,
Ça y est, vous ne pouvez pas changer ça. Parce que votre statut spirituel change. Le statut spirituel change. C'est ça que faites attention. Les gens disent non, quand quelqu'un donne parfum à quelqu'un, il faut avoir peur de ça. Mais je vous explique pas ce qu'il y a dedans. Ben, le parfum, en réalité, dans un mariage, en quoi ça est utile? En quoi le parfum est utile dans un mariage? Quand tu viens donner un parfum, quand les deux personnes sont mariées, en quoi c'est utile? En quoi c'est utile quand tu veux toujours donner parfum à quelqu'un? En quoi c'est utile? En quoi c'est utile? En quoi c'est utile? Parce que le parfum, on peut vous détruire à partir du parfum. Je n'ai pas dit que tout le monde est mauvais. Hein? Non, non, non. Il y a des gens qui ont de mauvaises bonnes intentions. Il y a des gens qui ont de mauvaises intentions. Il y a des gens qui vous donnent des parfums qui ont de bonnes intentions. Alors, si on comprend un peu. Voilà, en guillemets, c'est pas tout le monde qui a les mauvaises intentions. Voilà, c'est pas tout le monde qui a les mauvaises intentions. Il y a des gens qui ont les bonnes intentions, qui vous donnent les parfums, qui sont de bonnes intentions, en guillemets. Mais il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, qui viennent et qui vous donnent des parfums qui sont de mauvaises intentions. Non, je vous dis pas qu'il faut forcément tout refuser, que les parfums, en guillemets, sont forcément négatifs. Non. Mais déjà, mystiquement, on peut travailler un parfum. À partir du parfum, on peut travailler. Donc, le monsieur dit rien, non. Ah, mais c'est Gauthier. Ah, mais c'est mon parfum que j'aime le plus. Ah, quand tu mets... Quand tu mets ça, ta femme, tu vois comme le monsieur le plus mauvais, le parfum le plus pudique, le monsieur le plus truc. Donc, quand elle-même te regarde, parce que c'est important, hein, quand on explique ça un peu, pour que vous puissiez comprendre, les cadeaux que vous offrez aux gens là, que ça soit vraiment des symboles puissants qui rentrent dans un système des choses qui rentrent en symbiose avec la réalité spirituelle. Pourquoi vous n'organisez pas après le mariage? Moi, j'aime bien les cadeaux qu'on me fait. Aimez bien que les cadeaux qu'on fait après le mariage. Après le mariage, quand quelqu'un vous offre une maison, prenez ça. Après le mariage, mais pendant le mariage, il y a les cadeaux que vous devez carrément réviser. Il y a des gens qui veulent forcément vous donner le parfum. Le parfum, il est beaucoup utilisé dans le mysticisme pour détruire l'image et l'aura. Le parfum, il est beaucoup utilisé dans le mysticisme pour détruire l'aura et tout ce que vous aimez. Si vous aimez votre mari, que vous le voyez, il y a des gens qui voient un moment, à un moment donné, vous allez voir que votre mari vous énerve. Non, mais je me suis trompé, mais je faisais une erreur. Mais attends, je me suis trompé, c'est pas l'homme que je voulais avoir dans ma vie, mais j'ai commis une erreur, c'est une bêtise. Attends, mais c'est une erreur. Mais vous savez qu'il y a un problème spirituel. Alors, le second problème, voilà, on a le problème, c'est ça le discernement. C'est ça le problème de discernement des gens. On a l'impression que les gens ont un problème de discernement. Ils ont un problème de discernement. Frère, il y a tellement de choses qu'on a besoin de savoir. Vous comprenez? Il y a besoin de tellement de choses qu'on a besoin de comprendre et qu'on a besoin de rentrer dans une intimité avec Dieu ou même des choses spirituelles. Et les gens, ils semblent là, et non, voilà. Non, mais les choses sont spirituelles. C'est là, vis-à-vis de nous. Voilà. Vous comprenez? Vous vivez une vie et cette vie-là, elle est spirituelle. N'est-ce pas? Vous pensez que c'est quelque chose qui vient comme ça? Non, c'est spirituel. Voilà. Prenez un parfum, on vous donne un parfum, un mari, vous ne savez même pas d'où ça vient. Toi-même, tu es convaincu que le monsieur ne t'aime pas. Oui, vous savez ça. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne va jamais vous appeler, quelqu'un qui ne vous aime pas. Dans vos mariages, il faut faire très attention. Faites très attention dans les mariages et dans les dons qu'on essaie de vous appeler. Et puis même les pots de fleurs et les cadeaux qu'on vous offre, même les bracelets, les trucs, tout ça. Qu'on vous offre même des trucs, même dans vos maisons, ce devient comme des moments d'antenne. C'est-à-dire que des moments de contact avec même, si vous voulez, avec, n'est-ce pas, tous, c'est une réalité. Ok. Alors, je pense que c'est bon. Alors, il y a certaines choses sur lesquelles je dois statuer. C'est le nom. Le nom a forcément un impact. Quand vous appelez un nom, vous avez forcément un impact. L'impact forcément a un nom. Voilà. C'est-à-dire, quand vous dites tant et
Voilà, il y a un nom. Voilà, le nom influence votre destinée. Vous comprenez? Le nom influence. Alors, je veux parler de qu'on appelle les Adiougourous. Les Adiougourous, vous voyez là. Les Adiougourous, vous voyez? Vous voyez? Ils ont un problème. Les Adiougourous, dans leur région, vous n'êtes pas tué les enfants de la même famille. Ils vont prendre une femme qu'ils louent. Ils vont louer une femme. La femme là, ils la louent mystiquement. Ils vont la prendre un peu d'Ida. Mais vous remarquez plus loin, ce n'est pas que les Adiougourous, les Avicam, les Lagunais de Côte d'Ivoire, les peuples côtiers, les Avicam. Avicam, les gens de la côtière, c'est Avicam, les Avicam, les Alagans, n'est-ce pas, de Jacquesville, les Avicam, voilà. La Ouin, et puis c'est Adiougourous, les Adiougourous, et puis tout ça, tous ces peuples-là, ils sont dans un système. Ils vont les prendre une fille, n'est-ce pas, d'Ida. Mais pourquoi vous ne prenez pas une fille d'Oula? Posez-vous la question. Pourquoi le village ne demande pas, la famille ne demande pas une fille d'Oula, une fille Gouro, ou bien une fille Mossi? Si vous voulez, pourquoi cette fille forcément d'Ida? Vous allez comprendre que la plupart du temps, ça veut dire qu'ils ont vendu leur alliance aux alliés. Ou bien, les d'Ida, ils ont une alliance où la plupart du temps, les filles qu'on vend au pays d'Ida, au pays Alagan, au pays Adiougourous, au pays Avicam, au pays de Grand Laou, tous ceux-là, les filles qu'on prend dans les régions, qu'on vient les marier dans certaines régions, ils sont déjà dorénavant sorcières. Et c'est sur cette base-là qu'on les met dans les familles. Et quand on les met dans cette famille, il y a cette alliance de sorcellerie, façonnée parentale. C'est-à-dire que c'est ce lien-là. Demandez très bien. Ce que j'entends les dire, c'est la vérité. Cherchez à vous cultiver. Vous qui n'avez pas cette culture, vous allez savoir ça. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire seulement, mais dans beaucoup de villages. On prend d'autres filles de d'autres villages pour venir procréer dans notre famille. Parce que dans une famille, on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas avoir accès à manger l'âme de d'autres personnes, de la tribu. Donc il faut prendre des filles de d'autres personnes pour venir perpétuer notre sorcellerie. C'est pour ça que les sorcelleries, n'est-ce pas, arrivent à s'installer, à se perpétuer dans des familles. Vous comprenez un peu ce que je viens de dire? Ça va? Que Dieu nous aide. Que la puissance du Seigneur se manifeste. Que le Seigneur, le Dieu du puissant, se manifeste d'une manière puissante. Et qu'il nous aide vraiment à rabaisser les autels sataniques et maléfiques. Voilà, voici la femme que j'aime le plus au monde. Shalom. Voilà, voici la femme que j'aime le plus au monde. C'est la femme que j'aime, c'est ma femme, je l'aime trop. Ouais, elle m'aime trop. Coucou, voilà. Shalom Mado, shalom à tous. Ah, Marie, non. Je peux dire shalom Olivier, Madame Bill, tout le monde, Alexis. Emilienne Bouillot, à tout le monde, Abraham, shalom à vous. Soyez bénis et puis bon bien. Demeurez dans la prière, à demain. Attendez. J'ai mou. Vas-y. Bisous, bisous. Shalom. Elle se cache. Bisous. Ça. Shalom, shalom, bisous à tous. Demeurez dans la prière et puis à demain. Elle se cache. Dieu vous bénisse. Non, je t'appelle tout à l'heure. Ah bon. Ouais, donc on a tellement de choses à se dire. Alors soyez bénis, soyez shalom à vous.